Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment débloquer et utiliser la wingsuit sur Far Cry 6. Alors les amis, tout d'abord pour débloquer le wingsuit, vous allez devoir avoir suffisamment avancé dans le jeu jusqu'à pouvoir créer des bâtiments dans les camps. Donc vous aurez normalement à ce moment-là accès au contremaître du camp. Dirigez-vous vers lui, c'est l'icône vert avec un marteau représenté dessus. Enfin, une jeune personne. Il faudra alors, si ce n'est pas déjà fait, installer le réseau secret de Planck avec le contremaître. Donc vous verrez, il suffit juste de débloquer le réseau de Planck au niveau 1. Vous voyez ici, je ne l'ai même pas amélioré. Le niveau 1 suffit pour débloquer le wingsuit. Personne qui peut m'aider. Donc si vous avez bien débloqué le réseau de Planck, il se trouvera juste à côté. Donc ce sera l'icône verte avec une maison représentée dessus. Normalement, à partir de ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Vous aurez automatiquement débloqué le wingsuit. Dans le doute, vous pouvez aller quand même acheter quelques planques secrètes avec le marchand pour être sûr de débloquer votre wingsuit. Et maintenant les amis, pour utiliser le wingsuit, c'est très simple. Une fois que vous sautez dans le vide, la touche pour l'utiliser va apparaître. Donc moi, comme je suis sur l'ordi, c'est la touche Shift pour moi. Donc, une fois que vous lancez le wingsuit, très important, n'utilisez pas la touche pour avancer. Vous allez directement vous diriger vers le sol. Si vous voulez rester en hauteur le plus longtemps possible, il faut juste se laisser porter par le vent. Donc vous pouvez vous diriger un peu à droite, un peu à gauche. Mais une fois dans le wingsuit, dans tous les cas, vous êtes destiné à tomber de toute façon. Donc vous ne pouvez pas ni accélérer, ni ralentir. Il suffit de se laisser porter par le vent, les amis. Et lorsque vous serez proche du sol, prenez votre parachute. Vous allez mourir. Évitez également de percuter un arbre. Ça vous sera fatal. Et voilà les amis, j'espère que ce mini guide pour débloquer et utiliser le wingsuit vous aura aidé. Vous en aurez besoin notamment pour poursuivre un albatros durant une chasse au trésor et également lors de la mission annexe du docteur. Voilà les amis, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt.